Le public fera partie du spectacle dans quelques instants. La règle du jeu, célèbre film de Jean Renoir, est l'un des plus discutés de l'histoire du cinéma. Cette adaptation pour la scène mêle l'image et le spectacle vivant. Ah, mon cher André, nous sommes très heureux, très honorés de vous voir parmi nous. Vous connaissez tout le monde ? Monsieur Joyeux, ma femme voudrait vous demander un petit selfie pour notre fils. Oui, voilà. Ah, c'est très ça. Vous êtes chérie. Une œuvre est grande parce qu'elle a une résonance contemporaine au fil des décennies. Et là, la règle du jeu prend une résonance différente en 2017. C'est ça qui en fait une œuvre majeure. On passe de la vidéo à la scène sans s'en rendre compte lors d'une soirée décadente où le drame se joue dans la joie. Un rire grinçant. Spectacle iconoclaste. Dalida entre au répertoire de la Comédie française pour des paroles de circonstance. Peu importe les fêtes ou les boîtes de nuit, il y a toujours un moment où Dalida peut arriver. La règle du jeu, c'est la fin d'un monde, un lendemain de fête où l'on sait que le pire est peut-être certain. Il y a une phrase de Renoir qui dit que les personnages dansent au bord d'un volcan. Nous aussi, aujourd'hui, nous dansons au bord d'un volcan. C'est une façon de parler de notre réalité d'aujourd'hui avec un nouveau regard. La règle du jeu, un film, une pièce sur la lutte des classes sans en avoir l'air. Ces personnages sont comme des canards à qui l'on aurait coupé la tête. Ils avanceront, mais pendant combien de temps ?